déjà content, très content d'être à Agadir. Rallye du Maroc a été sur Fès il n'y a pas longtemps, Zagora encore l'an dernier. On a été dans plusieurs régions et aujourd'hui on voulait proposer sur cette année d'aller visiter aussi le sud du Maroc. Donc départ d'Agadir pour aller sur Tantane et Laayoune et revenir ensuite ici à Agadir. Donc c'est vraiment une volonté de découvrir d'autres pistes, d'autres paysages, longer la mer. Et des pistes aussi qui sont un peu différentes, moins connues souvent par tous les raideurs. Et donc on a des pistes qui ne sont pas faciles à trouver, beaucoup de navigation, donc ça va être une édition particulière. En plus, c'est une édition où on a un championnat du monde qui est très, très partagé, puisqu'on a Sébastien Loeb et Nasser Latia qui sont très très proches, un point d'écart. Et donc ils vont jouer beaucoup de choses ici pour le championnat du monde et ça va être une des épreuves clés pour attribuer le titre. En moto, c'est un peu la même chose. On a un Sam Sunderland qui est vraiment à la pointe devant, mais ils sont très nombreux à pouvoir gagner. On a un plateau cette année sur le Rallye du Maroc qui est incroyable avec 100 voitures, 136 motos, 10 camions, donc beaucoup de monde et surtout beaucoup de qualité, je dirais, puisqu'il y a tous les meilleurs pilotes du Rallye Raid sont ici et sont venus ici au Maroc pour découvrir et aussi pour se faire plaisir parce que c'est aussi un grand plaisir d'être ici. L'Africa Rally Team, grâce à nos partenaires marocains, avec qui on avait décidé que les Marocains devaient être aussi acteurs du rallye et pas que spectateurs. C'était vraiment un point important pour nous. Et donc on a développé depuis 2 ans maintenant une approche auprès des pratiquants, que ce soit en voiture, avec les SSE, on se sert des petits buggies ou des motos. On a réalisé cette année des stages qu'on a fait donc dans les dunes de Merzouga d'ailleurs. Et on a gardé les 5 meilleures motos et les 2 meilleures voitures pour les faire courir avec nous. On les aide aussi à participer financièrement, on les accompagne. On a un coach, Nani Roma, cette année, qui est venu auprès d'eux. Et l'idée, c'est justement que chaque année, d'amener plus de concurrents. Lorsqu'on a fait les stages, il y avait 10 concurrents de plus qui n'ont pas été qualifiés pour cette année, mais qui le seront pour les années futures, qui se préparent. Et donc, on est avec tous ces Marocains et Marocaines, puisqu'il y a aussi des femmes, pour les amener avec nous et leur faire découvrir la discipline.